Wow, tout le monde sort dans l'instant pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais montrer comment faire pour optimiser votre souris pour le gaming en 2021, c'est parti. Voilà donc étape numéro 1, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller en bas à gauche ici dans le menu démarrer, on va cliquer sur paramètres, tac, on va aller dans périphérique ici, on va aller dans souris ici, on va aller dans options supplémentaires de souris. Quand vous êtes ici vous pouvez fermer ça, en fait ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur options de pointeur et en fait ça, vous allez décocher améliorer la précision du pointeur. Et avec votre clavier, donc avec les touches directionnelles de votre clavier, donc ici, voilà. Vous allez cliquer sur ça et vous allez mettre à 0 ici, hop. Et là, en fait, on va mettre au numéro 6. Donc là, on est sur numéro 1. On va faire 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et quand vous avez fait ça, vous faites appliquer et voilà. Si vous n'aimez pas ce paramètre, je vous conseille de remettre comme c'était avant. Mais voilà, normalement, ça, c'est bien optimisé pour les jeux de tir. Voilà, voilà, vous faites OK et voilà. Étape numéro 2, ce qu'on va faire, c'est que là, on va activer le mode jeu. En fait, le mode jeu, ça permet de avoir moins de latence dans les jeux. Donc, voilà, c'est toujours bien de l'activer comme ça. Quand vous bougez avec votre souris, ça va être encore plus rapide. Voilà, donc hop. Voilà, donc pour l'activer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, en bas à gauche, paramètres, jeu ici, mode jeu, et on va activer le mode jeu. Donc, si vous voulez désactiver comme ça, vous cliquez sur ça et ça va l'activer. Voilà, et vous pouvez fermer. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le registre Windows pour paramétrer quelques petits trucs pour avoir le moins de latence possible dans les jeux ainsi que dans le système d'exploitation. Voilà. Donc, pour ce faire, vous allez en bas à gauche ici, hop, vous allez cliquer sur le menu démarrer, vous écrivez registre, registre, voilà, il y aurait écrit éditeur de registre. Vous faites clic droit, c'est très important, exécuter en tant qu'administrateur, vous cliquez dessus. Quand vous êtes ici, vous cliquez sur HKEY Local Machine, cliquez sur Software, cliquez sur Microsoft. Vous cliquez sur Windows NT, vous cliquez sur Current Version, Multimédia, vous double-cliquez sur Multimédia, Système Profil, et quand vous êtes sur Système Profil, vous allez voir Système Responsiveness. Voilà, en fait, ça, c'est la latence du système. Voilà. Double-cliquez dessus, et là, voilà, moi, il y a écrit 14, mais vous mettez 1. Voilà, moi, je mets 1, OK, et voilà. Quand vous avez fait ça, vous double-cliquez sur Système Profil, puis après, vous cliquez sur Task, double-cliquez. Dans Games, vous cliquez qu'une seule fois, et là, en fait, vous allez cliquer sur GPU Priority, hop, vous double-cliquez dessus, et en fait, là, vous allez mettre 8, voilà, moi, il y est déjà, je fais OK. Dans Priority, vous double-cliquez dessus, et pour Priority, vous allez mettre 6, hop, 6, et vous faites OK, et vous pouvez fermer. Voilà, donc, dernière étape, si vous avez une souris Razer, en fait, vous pouvez télécharger et installer Razer Synapse, donc, hop, le lien est dans la description. Si vous n'avez pas une souris Razer, je vous conseille de télécharger le logiciel adéquat pour votre souris. Mettez le nom en fait de votre souris sur Google et essayez de trouver le logiciel qui correspond à votre souris. Vous pourrez optimiser et changer les paramètres avec plus de détails. Voilà, donc si vous avez une souris Razer, cliquez sur le lien qu'il y a dans la description. Vous allez arriver sur ceci, cliquez sur télécharger maintenant. Hop, ça se télécharge, voilà, vous l'ouvrez. Ça charge, voilà, si, je vous conseille de désactiver ces trucs, sauf si vous les voulez, moi je m'en fous. Et vous cochez Razer Synapse. Cochez pas ça si vous ne le voulez pas, mais voilà, cochez Razer Synapse et vous faites installer. Quand c'est installé, moi je l'ai déjà installé, donc j'arrête ça, hop, annuler. Et il va être en bas à droite ici, vous double-cliquez, vous cliquez sur votre truc, vous allez arriver ici sur personnaliser, vous cliquez sur performance ici, l'onglet performance. Quand vous êtes ici, fréquence de pooling, je vous conseille de mettre le plus élevé possible. Moi, je vous conseille de mettre 1000. Moi, il y a 1000 au maximum, donc j'ai mis 1000. Mais voilà, si vous avez un bon PC, mettez 1000. Si vous avez un PC moyen, je vous conseille de mettre 500. Et si vous avez un PC pourri, mettez 125. En fait, fréquence de pooling, 1000, ça veut dire qu'il va y avoir 1000. C'est la fréquence de mise à jour des données de la souris. Donc en gros, plus il y a de fréquence de mise à jour des données de la souris, plus vous allez être précis, plus la souris va passer des informations à votre PC et le PC va donner cette information au jeu pour que vous soyez plus précis dans vos tirs, etc. etc. Et pour le DPI, ben, en fait, c'est assez personnel à moi-même, donc moi j'aime bien 1800, ça fonctionne parfaitement. Si vous voulez changer, essayer de tester quelques trucs de DPI, ben, vous pouvez tester, moi 1800 c'est parfait. Et voilà, quand vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un like si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez bien mes vidéos. Et on se retrouve pour une fois sur une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. Peace.